Bonjour ma petite Lucelle, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous montrer des petites pop, enfin petites, grandes pop, grandes et petites pop. Voilà, on va commencer par celle-ci qui m'intéresse pas de masse. Voilà, c'est Batman dans le film. Comme ceci. Voilà, je vous la montre. Je vous montre la collection. Voilà, de Batman. Je commence par celle que je n'aime pas trop. Je ne l'ai pas achetée, je l'ai gagnée à un concours. Pour ça, c'est celle qu'on avait. Alors, après, on va laisser la meilleure pour la fin, bien sûr. Je faisais un petit moment que je regardais après Tic et Tac en pack de deux. Je ne sais plus le nom du jeu. Kinder, machin. Et je l'ai trouvé. Du coup, je me le suis pris aussi en convention. Il est trop mignon. Tic et tac. Je le trouve trop mignon. Et voici la petite collection. Voilà, Tic et tac, ce qu'on a dans cette box. Et alors, il y a Mickey, Donald, Pluto, Tic et tac. Et lui, je ne sais jamais son nom. Oh, c'est pet. Sur le truc. Je ne sais pas si c'est en français ou en anglais. Pet. Ça va pas vous dire, enfin, soit voilà. Je la trouve la plus mignonne de toutes mes petites pop. J'adore. Elle va rejoindre certainement mon Mickey et ma Minnie et mes bébés Nifleur à côté. Poup, on va les mettre à côté. Voilà. Après, j'ai une trop belle pop. Trop belle. Je l'ai déjà emballée dans un autre. Une petite boîte en plastique pour la protéger. C'est Emma Swan. Je ne sais pas si vous connaissez la série de Once Upon a Time. C'est une série de Disney que j'adore. Et je voilà, je vous présente Emma Swan. Et en plus, elle est signée de Emma Swan, de la héroïne du film. C'est une série que j'adore, que je regarderai tous les soirs. Je pense que ce soir, je vais le regarder. Bien sûr. Voici ma petite pop Emma Swan. Je vous montre la collection. Elle est comme ceci dans la boîte. Je sais là, je ne l'offre pas du tout. Parce que comme elle est signée, elle vaut un peu plus. J'ai pas envie de l'abîmer, surtout. Parce que je tiens. Et alors, je vous montre la collection Emma Swan, Regina, Blanche-Neige. C'est pas son nom en français, mais c'est pas grave. Parce que là, il est marqué en autre. Alors, le prince charmant. Le prince de Blanche-Neige. Je sais plus son nom. Oh, il a un nom bizarre, je sais bien. Rumu. Oh, je sais plus. Et un capitaine Crochet. Et que je crois que j'ai déjà capitaine Crochet, en fait, dans ma série. Je l'ai déjà, je crois, capitaine Crochet. Du coup, elle va se retrouver avec son chéri. Je ne spoil pas, mais elle est avec capitaine Crochet. Je spoil. Ce n'est pas grave. Et après, en convention, je me suis trouvé cette petite boîte de mini, de Mystery Mini. Voilà ceci. Je vous montre la collection de derrière. Mais c'est vrai qu'elle est déjà ouverte. Parce que je les ai achetées comme ça, ouvertes. Il y a des personnes qui n'aiment pas acheter des balles. Enfin. Fermé, du coup, ils les ouvrent et les vendent comme ceci. Du coup, je me suis pris le petit. J'en ai pris trois. Ce petit Mickey qui est trop magnifique avec sa clé qui ouvre certainement un passage, je sais pas quoi. J'ai le jeu que je n'ai pas encore joué, que je vais peut-être jouer. Faudra bien que je m'y mette pour connaître un petit peu ce jeu. Alors, j'ai un autre petit Mickey. Comme ceci, avec ce costume qui est trop beau. Voilà. Et alors, et ces deux-là, ils sont dans la boîte ensemble. À votre avis, vous avez vu la pop qui est passée avant? C'est tic et tac. J'ai la pop et les petites figurines comme ceci. Elles sont trop magnifiques. Regardez. Avec leur petit nez rouge. C'est vrai que ça, j'avais jamais vu. Il y en a un qui a le nez rouge. Regardez. Celui-là, le nez rouge. Et l'autre, il a le nez noir. Je ne sais jamais lequel est tic et tac.
Dites-moi en commentaire si vous savez qui est Tic et Tac. Qui est lequel? Celui qui a le nez rouge et plus clair. Dites-moi, c'est qui? Et celui-là qui a le nez noir et qui est plus foncé. Dites-moi, qui est Tic et Tac? Ça m'arrangerait. Même si je ne le retiendrai pas. Alors, j'ai un autre petit truc à vous montrer. Je me suis pris des petits pics de faucon de Poc. Voilà. Je vais les retirer et vous les montrer un par un. J'aurai plus facile. Bon, on va commencer par une collection, bien sûr. Ceux des animaux fantastiques. Ça, c'est Piquette. Comme ceci. Elle est trop belle. Et c'est le bec. Je vous montre la pointe fine. Il est trop beau. Je le remets tout de suite dans la boîte. Après, j'ai Nifleur qui est trop belle aussi. Bon, ça, je les aurai tous. Je voulais absolument. Après, j'ai les deux que je sais plus leur nom. J'ai pas encore vu, alors je ne saurais pas dire. Il est trop beau aussi, celui-ci. J'adore. Trop beau. C'est aussi un bec. Hop, avec capuchon. Hop. Et alors, le petit dragon, je sais pas quoi. Comme ceci. Après, il y en a un que j'ai mis dans la boîte que vous l'avez déjà vu. Mais c'est pas grave, je peux le montrer. Oh, j'ai perdu le capuchon. Pas grave. C'était Jafar. Il était dans la boîte de vilain. Dans la box de vilain. Je vous l'avais déjà montré. Et du coup, je l'ai mis dedans. Pas le perdre. Après, j'ai Monsieur Jack. Comme ceci. Il est trop beau aussi. Avec son costume. Juste une grosse tête à part au corps. C'est aussi un bec. Voilà. Après, j'ai Zéro. J'ai pas encore tiré l'étiquette. Je viens de le prendre, celui-ci, ce week-end. Il est trop beau. Avec. Voilà. Et alors, j'ai. Oh! Oh, je ne sais plus son nom. Ah! Ouf, ouf. Je ne sais plus. J'ai son nom dans le coin. Boogie Boogie. Boogie Boogie. Comme ceci. Il est trop beau aussi. Avec ses deux petits dés. Je ne sais pas si vous voyez bien. La caméra. Les deux dés en main. Comme ceci. Voilà. Ah, je vais la mettre dans la queue. Dans sa petite boîte. Mais voilà, je vous ai tout montré aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Bien sûr, moi, c'est Emma Swan. C'est celle que j'adore. Je ne sais pas où je vais la mettre. Je ne sais pas encore où je vais la mettre. J'ai envie de la mettre là. Comme ça. Voilà. On la verra comme ça dans mon décor. À chaque fois. Voilà. Ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez excusez-moi, pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner si vous avez envie. Et de mettre la petite cloche. Comme ça, vous savez quand je sors une vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.